Bonsoir les loulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Hotline Miami. Voilà, donc là j'ai normalement ça marche. Je dis normalement parce que j'ai galéré à faire le stream puisque j'ai fait 4-5 tentatives. Dans la tentative d'avant, je disais 4, mais maintenant c'est 5 du coup. Tentative à lancer le jeu, et au début ça voulait pas lancer. Au début j'avais pas de vidéo, ensuite j'ai pas eu le son. Ensuite le logiciel voulait plus se lancer, ensuite ça laguait il y a 30 secondes. Et donc là maintenant c'est bon, ça marche. Et donc nous allons commencer ce merveilleux. Oui, il y a écrit continue parce que j'ai fait quelques vidéos pour tester. Mais je suis pas allé très loin, donc normalement c'est pas trop grave. Et donc là on va faire une vidéo courte parce que j'ai quand même passé une heure à configurer tout le bazar et que donc il commençait tard. Donc cette vidéo sera très très courte, je vous préviens, je suis désolé d'avance. Et donc on est parti. Oui, ça commence comme ça, hein. Il n'y a pas de démonstration, on nous explique comment tuer, vous voyez. Ce jeu se joue avec les touches WASD, donc en l'occurrence ZQSD, hein, parce que j'ai un clavier français moi, et à la souris. Les souris. Bref. Clique à gauche sur la souris pour cogner, vise la tête. Une fois qu'il y a mis quelqu'un KO, il faut l'achever. Appuie sur la barre d'espace pour cela. Compris? Sur. Clique gauche pour cogner, barre d'espace pour achever. T'as pillé? Faut pas déconner avec ça. Voilà, donc... voilà. Voilà. Ok, maintenant tu peux essayer de tuer le prochain type, mais utilise la batte placée dans la pièce rouge par là, ok? Clique à droite sur ta souris quand tu es à côté pour la ramasser, puis clique à gauche sur la souris pour la faire tournoyer. Ça rentre dans ta petite tête, oui ou non? Clique droit pour ramasser, clique gauche pour la faire tournoyer. Tu écoutes au moins? Bien, vas-y maintenant. Voilà. Bien joué, passons aux armes à feu, d'accord? Va chercher le fusil dans la pièce bleue. Pour les armes à feu, c'est comme avec la batte. Il suffit de cliquer à droite sur la souris. Tu crois que tu peux y arriver? Utilise la touche majuscule pour repérer les ennemis, c'est très facile, très utile pour éviter de te faire tuer. Tu peux cliquer sur la molette de la souris pour poquer tes ennemis, mais pense à placer ton viseur sur eux d'abord. Clique droit pour ramasser, touche majuscule pour repérer. Clique gauche pour tirer, roulette de la souris pour bloquer. Tu peux maintenant tuer le type dans la pièce jaune. Ça fait quoi majuscule du coup? Ah ouais. Alors, on va prendre l'arme à feu, on va loquer, on va le tuer. Voilà pour les bases, mais il y a toujours de petites astuces à apprendre. Tu peux lancer toutes les armes que tu ramasses en cliquant à droite sur la souris. Tu peux utiliser les portes pour frapper tes ennemis. Les armes à feu sont très bruyantes et attirent l'attention de tes ennemis. Alors anticipe tes déplacements et utilise les armes de mêlée quand tu peux. Mais on s'en fout, tu te feras tuer de toute manière. Pas vrai? Part 1. Phone calls. Oh, tu ne sais pas qui tu es? On devrait peut-être en rester là. Mais je te connais! J'aurais peut-être pu faire des voix différentes pour tous les persos, hein. Mais je te connais! Regarde-moi, on s'est déjà rencontrés, non? Je ne te connais pas! Pourquoi es-tu ici? Je ne t'ai pas invité! Tu veux vraiment que je... Révèle ton identité? Se connaître, c'est reconnaître ses actions. Et récemment, tu as fait des choses horribles. Tu ne te souviens pas de moi? Je sais déjà quel plus ou quel volet, mais bon, Lune. Je vais te donner un indice. Le 3 avril, ça te rappelle quelque chose? Je crois que c'est le jour de notre première rencontre. On dirait que ça te rappelle quelque chose. L'état de l'appart qui est dégueulasse, hein, quand même, hein, c'est... Ouais, comment ça, j'ai pas le droit de juger. Vous avez un nouveau message. Salut, c'est Tim de la boulangerie. Les gâteaux que tu as commandés ont pu être livrés. Il y a aussi une liste d'ingrédients. Lis-la attentivement. J'en mets mes manches parce qu'il fait plus chaud, en fait. J'aurais dû streamer avec un polaire et pas avec une chemise. La cible est une mallette, la discrétion est de mise. Laisse la cible au point F32 dans la belle rue. L'échec n'est pas une option, mais je vais. J'adore l'ambiance musicale du jeu, c'est un jeu très au-dessus de... Ça se passe en 80...
prélude, The Metro. Conseil, achève les ennemis au sol. Oui, bah j'ai débloqué 2-3 masques, mais on va jouer avec Richard, on va rester de base, on débloque que Rasmus après cette mission-là, et Tony après celle-ci. Je ne sais plus ce que fait Rasmus. Si, il y a des lettres planquées dans le jeu, qui forment un puzzle, je crois, et ça permet de mieux les voir, et ça, ça permet de tuer les gens quand on les prend avec le poing. C'est mon masque préféré dans le jeu. D'ailleurs, du coup, je vais même le prendre, en fait, parce que comme ça, je veux pas m'emmerder. Ah putain. Ok, j'y arrive vraiment pas du tout. Mais putain, mais... Je suis trop pressé en fait. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va loquer celui-là. Voilà. Normalement l'autre. Dans le doute, on va prendre un coup. Dans le doute, je vais prendre un couteau, on sait jamais. Normalement ça doit pas ramener. C'est bon. Voilà, j'ai besoin de la mallette. Merci, bonne journée. Ok. Ah oui. Merde. Voilà. Et on va ramener la petite mallette. Et là, j'entends quelqu'un. Je sais pas si cette tête vous dit quelque chose. Cette musique faisait très Blade Runner maintenant que j'y pense. J'avais jamais tilté, mais c'est dégueulasse. Et voilà. Donc j'ai bien fait de la merde sur cette mission, hein. Là, et on débloque des armes, on débloque. Je vais avoir un classement tout pourri, je pense. Ah, c'est très mauvais, hein. Et voilà, et donc entre les missions, vous avez des petites cutscenes. Voilà, on dirait Usul, hein, pour ceux qui... Salut mec, ça fait un bail. Je me demandais s'il t'était arrivé quelque chose. Tu étais super mal d'avoir perdu ta nana. Je ne t'ai pas vu après ça. Allez, parlons d'autre chose. Tu as la dalle, peut-être. Laisse ça, ces cadeaux, c'est bon de te voir. Passe une bonne soirée. Salut, bienvenue. Inutile de commander, ta pizza est prête. C'est très bizarre, le mec il m'a dit salut, bonne, bienvenue, quoi. Il y a une espèce de gros machin qui est en train de se préparer. On va prendre la pizza et on va se barrer. Avril 1989, Miami, Floride. Merci de vous être abonné à notre newsletter. Nous apprécions l'intérêt que vous portez à notre cause. L'Amérique est une mélodie qui doit être chantée en cœur. 50 bénédictions. Bonjour Célinda, il me faut une babysitter. J'ai ici plusieurs gamins qui ont besoin d'être dressés. Je suis sur la 7ème rue à l'est. Soyez ferme avec eux. Il faut que quelqu'un qui sache parler à ces voyous.
Je crois que j'ai fait une faute de français. Et comme d'habitude, sois discret. Clic. Ouais, je veux bien la prostituée, hein. Je vais juste lancer la mission. Ça dépêche pas. First chapter, no talk. Conseil, n'aie pas peur de mourir. Je suis déjà mort 3 fois dans la première mission, alors... Allez, comme c'était le prologue, on va faire le chapter 1 aussi. Bon, bah, y avait pas grand monde, là, au moins. Ah, on peut pas interagir avec les t-shirts, on peut pas changer de fringues. On va prendre le couteau... Voilà. Ah, j'aime bien les tuer avec les portes, comme ça. Pas grave, on va faire ça. Non, c'est un fusil de merde ça. C'est mieux déjà. C'est pas intéressé. Putain, j'ai fait me faire zigouiller, j'ai joué comme une merde. En fait j'ai du mal parce que vous voyez, si je me mets là en fait, si je mets ma souris là, quand j'avance ça bouge ma souris entre guillemets. Enfin je voudrais que ma souris elle... Elle reste là et du coup ça fasse ça quand je bouge quoi. Et du coup c'est assez space à jouer. On fait 0 combo, s'il faut les tuer rapidement pour avoir des bons. Peut-être une meilleure note là non. Eh bah voilà qui est mieux déjà. Tiens, Ulule, livreur de pizza maintenant. Je sentais que tu n'allais pas tarder à arriver. Restons-en là pour le moment, ok? Ne t'en fais pas, c'est offert par la maison. Salut mec. Ça fait plaisir de te revoir. Tu as su pour le massacre? Le mec, on dirait qu'il me parle 2 fois. Enfin bon, c'est le jeu qui veut ça. Le jeu est très psychédélique, on va dire. Le 16 avril 1939, Miami, Floride. Six corps retrouvés dans la 7ème rue à l'est. La police suspecte des liens avec les trafics de drogue. Non, pas moi, chef. Les témoins affirment avoir vu un monstre quitter les lieux. Ah, c'est le masque. Vous avez un nouveau message. Bip. Thomas à l'appareil de la clinique de méthadone. Nous avons arrangé une courte entrevue pour vous ce soir. Nous sommes sur la 184e rue au nord-ouest, appartement 105. Et ne vous inquiétez pas, nous savons que la discussion est très importante pour nos clients. J'adore la musique dans ce jeu. Je sais pas si on entendra bien ou trop, hein, parce que j'ai fait quelques tests, mais... L'avantage du chien, la bascule. Bref, fais n'importe quoi. Second chapter, Overdose. Conseil, suis les flèches rouges. On va prendre Tony. Et on va s'arrêter là parce que j'ai pas envie de... Voilà. Je peux pas sortir. Je ne peux pas sortir. Ah si, je me pose, je peux sortir. C'est bon, ça va. Voilà, donc on va s'arrêter là. Pour cette petite vidéo, parce que là il commence à être tôt, enfin tard pour moi du coup, et que j'ai galéré à faire ça, j'aurais dû faire cette vidéo il y a à peu près 1 heure, hein, donc je m'avance pas trop, c'est pas la peine de vous faire peur. Oui, donc je pensais faire cette vidéo plus tôt, donc voilà. Donc la vidéo sera assez courte, je ne vois plus le moment, c'est ça. La vidéo sera assez courte, mais ça c'est parce que je pensais faire une vidéo plus longue, ça a déconné. Mais du coup, comme vous avez vu, le jeu est assez rapide. Donc peut-être que si vous êtes sage, il y aura une vidéo demain, je ne sais pas. Peut-être, si vous êtes sage. Hein, si vous êtes sage. En attendant, je vous retrouve sur dimanche. Hein, pour du Dust, puisque j'aimerais bien quand même continuer le jeu. Vous voyez, les deux jours n'ont absolument rien à voir. Hein, mais même
Hotline Miami, je l'ai fait. Là, je triche un peu, c'est pas la première fois que je le fais, même si sur Steam c'est la première fois. C'est parce que je l'ai fait sur PS3. Parce que je l'ai acheté sans faire exprès, mais enfin, on en reparlera pas. Donc, je voulais tester à la souris, je trouvais que le gameplay, je pensais que le gameplay serait plus simple, et en fait, je suis tout perturbé par le gameplay. Donc, je vais peut-être essayer de jouer à la manette. Mais j'ai essayé et le jeu refusait de faire fonctionner ma manette. Donc ça risque d'être assez compliqué. Sur ce, je vais aller me coucher. Qu'est-ce qu'il y en a qui... C'est la vidéo. Parce que je voyais un... Je suis fatigué. Je voyais un truc qui clignote à gauche de là où vous voyez. Et en fait, c'est la vidéo quoi, c'est normal en fait, c'est... je crois que c'est dans ma bibliothèque. C'est signe qu'il est vraiment temps d'aller se coucher. Hein. Bon, sur ce, je vais couper là, et je ne vais pas faire un grand discours cette fois-ci, et je vous dis à demain. Bonne journée.